Alors, Laurie, cap ou pas cap? T'es Cap, 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 cap. On était cap, on est cap. Ah oui, On va c'est vrai. monter par. Bon, c'est pas trop. On verra bien. On suit. À toutes! À tout à l'heure! Allez, Fred! Allez, fille! Nous sommes au 5e kilomètre et ça fait que grimper. Laurie, t'es cap ou t'es pas cap? Pas moi! Cap! Elle est cap! Laurie! Allez, c'est magnifique! C'est magnifique! On est toujours cap. Allez, bravo. Merci. Allez, bravo. Allez, à tout. On va là-haut. Oui, ça c'est nul. Il va falloir aller en bas. Par là-bas. Par en bas là-bas. Ou là peut-être. Ça où les voitures. Bon, là-bas, il y a des gens de quoi. Là-bas. Ah ouais. En fait, on recroise. À... On redescend en fait. On refait ce qu'on a fait. Je crois qu'on va pas rester en haut. Bon, allez, on y va, on n'arrête pas, là, double, allez, sous double contact, là, 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 là. Jusqu'au moment où on va attaquer la première grosse montée, il y a un quad qui ouvrira la course. Voilà. Oh bah super, il y a le quad, c'est grand luxe. On est au trail des citadelles avec Jérôme, donc 52 km et 2005 de positif. Et pour moi, le but, c'est de... d'en faire un maximum, je sors de la blessure. Et Jérôme, lui, va nous faire un petit temps. Donc c'est super, retournez ici. Vous êtes, quand la météo est bonne, c'est des chances. Ah, allez, deux, allez, un, et c'est parti. Bonne course à tous. À tout à l'heure. Allez, on est au 5e kilomètre. Ça fait 51 minutes et 500 de positif. On a fait une grosse montée là de 300 sur 1 km à peu près. Et là, on est sur un petit single, je suis avec un petit groupe. Et on attaque la descente avant de reprendre une bonne montée. Voilà, pour le moment ça va, pas mal le genou. Ça me titille un peu moi les gauches, et ça devrait aller. Allez, on arrive à la croix de Millet. Et on est parti du bas là-bas, du château, des ruines. Allez, 10 km, 1h47 de course. J'ai 700 positifs à la montre, mais je pense que c'est faux. Là, on est dans une petite descente dans les bois. C'est sympa, c'est souple. Et pour le moment, ça va. Alors, je suis au Fougas ici. C'est le premier ravito. Normalement, la barrière horaire est à 12h15. Et il est 11h20, donc je suis large, j'ai fait 15 km, 765 de positif. Et voilà, et après il faut aller monter à Montségur là-haut, 22 km 1378, ça va piquer, piquer grave. Mon objectif c'est d'aller au moins jusque là, mon entraînement. Thank you.
Allez. Cap ou pas cap? Cap, cap. Oui. Oui, t'es cap lui aussi. 20 bornes. 20 bornes. Mal aux jambes, monsieur? Benjamin. Monsieur Benjamin. Ouais, je me parce qu'il y a Bernard qui m'attend. Ah, oui. D'accord. Il y a Bernard. Alors. Merci à tout à l'heure. Bonne route. Oh, on se reverra. Ah, oui. 20 bornes, fatigué. Je te de la bouillasse. J'ai mal à la cheville. On a envie de goûter. C'est bon? Ouais. Oui. Ça, je vois par où elle est passée, quoi. Voilà. On vient de monter à Roque Fixade. Nous étions en bas. Tout en bas. On est monté là. Là. Et voilà. Et on est au 24e. 24e. Ouais. On a des crampes, on a mal, on a chier. Moi j'ai mal à la cheville. La crampe elle est passée. Et moi j'ai des crampes partout. Oh, allez, maintenant je te dis. Oui, ça fait 30 secondes. Bruno, ciao. Je suis dans la montée de Montségur, c'est super gras. Très très gras. Très gras d'ailleurs. On est prêt à tomber, c'est pas l'idéal pour les appuis. J'ai des chaussures pleines de boue et c'est raide. Château de Montségur, c'est là-haut. Alors, là, je suis dans la montée finale de Montségur et la particularité sur cette course, c'est qu'on croise les mecs qui l'ont monté avant et du coup qui redescendent. Et en bleu, c'est un mec du 70. Bon courage. Donc c'est assez particulier. Je sais pas comment ça s'est passé avec le 40 parce que quand je vois comment c'est compliqué pour se croiser, je suis étonné de ce parcours. Enfin, voilà, on finit de monter. Plus heureux aujourd'hui, il est là. Hello. Il y a un droit d'entrée ou pas? Non. Yes. Bonne journée. Allez, 22 km 1456 et bien, je suis au pied du château. Donc voilà, je vais refaire la descente, j'ai commencé. On est arrivé du bas là-bas. Ah, donc c'est une bonne montée avec des marches. Ça, c'est... Ouais, je vais attaquer la descente, ça va être plus sympa. Voilà, donc on redescend en bas et on passe là-bas. C'est où on a croisé ceux qui descendaient. Allez Guitou! Allez! Allez Guitou! Allez! 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 Immense le 65. Allez Guitou! Ah ouais, toujours pas de quatrième. Hein. Allez Guitou! Allez! Bon, c'est pas très bon pour un genou tout ça, mais ça a l'air de tenir. On verra bien en bas. Il fera meilleur aussi parce qu'il faisait un petit peu frais là-haut. Il a débauché, ça va être un fonctionnaire lui aussi. Et voilà déjà en bas, deux fois moins de temps que pour la montée.
fini la descente. On a été là-haut. Voilà, 700 mètres de descente. Donc là, je suis à 23e kilomètre là. Donc je suis monté, je suis redescendu, je suis ici là. J'ai fait 1400 positifs et 4h16. Donc le but maintenant, je vais aller jusqu'à Montferrier. Ici là, kilomètre 27, c'est la barrière horaire. La deuxième barrière horaire, deuxième ravito, et je vais m'arrêter. Parce que j'ai pas envie de me faire mal au genou. J'ai dans 2 mois l'ultra, donc pas la peine de prendre des risques, ça va un peu mieux. Je vais pouvoir commencer à m'entraîner parce que là je ne le suis pas. Et voilà, donc je descends jusqu'à l'arrivée. Et j'ai un petit point sur la GoPro. À mon avis, c'est pas très bon. C'est cool, hein, pour la photo. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Les jolies cascades. On en aurait besoin en plus de la douche. Ouais, là, on aurait bien. Ouais. Oh punaise. Bon, ouais. D'ailleurs, 28 km. 28 km. Mal partout, gros point de côté chez Lorigo, crampes chez Pauline, donc c'est la même merde. Voilà, bon, voilà. Le point de côté est parti, mais... C'est la même merde. C'est la même merde, ouais. Il en reste encore 12. Et on voit toujours pas de ravito, hein. Ouais, on a soif, beaucoup. On a soif, faim. Ouais. Envie d'une douche. Un mouchoir aussi. Aussi. Allez, à salut. Plus. La machine. À Montferrier, 5 minutes d'avance, t'avais sur le 3ème. Ça a l'air de même pas porter que tout à l'heure. Ouais, je suis au 25e kilomètre, donc on fait que descendre depuis Mont-Ségur, ce qui est assez sympa. Et c'est pas là que je suis le plus mauvais. J'ai 4h31, donc encore 2 km pour moi. Et voilà. Je me serais fait un bon entraînement. Tom, pousse-toi, il y a des gens qui arrivent. Attention, ça glisse. Il va pas tarder, papa. Non, tu restes là. Maintenant, tu restes là. Voilà, j'ai rendu mon dossard, donc j'aurais fait presque 27 km, 1477 de positif, 4h42, donc ça va, ça m'aura fait un bon entraînement. Pas avoir de regrets, là je vais manger un petit peu, j'attends la navette et avec un peu de chance, je verrai les filles arriver. À tout ça, donc ça fait quelque chose de passer dans ce magnifique site de Mont-Ségur pour ceux qui connaissent, ceux qui s'intéressent. Parfait. Haut lieu historique français. Donc, sur 55 km, on entend. Super!
tombé. Voilà le genou. C'est mis en place pour ça il y a quelques années. Philips ont vu notamment cette photo de Sarla une copie du Raspberry Pi. Allez GG. Allez Kazo. Il est blanc. Sur le 55 km. On approchait 18h. Tout simplement tout le monde. Et le sourire qui continue à percer là-haut. Monsieur Jérôme Cazot à l'arrivée, 8h50, 38, Jérôme Cazot, 55 km, 178e, Jérôme Cazot. Alors Laurie, cap ou pas cap? Cap, 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 cap. On était cap.